C'est interdit de rigoler. Hein. Faut pas que je rigole? Non. Oh no! Parce que c'est sérieux. Hein. Ah. Je sais pas être sérieuse, comment ça se passe? Allez, ça va? Ça va et toi? Bon, le tir à l'arc, tu connais? Si, je connais, mais j'ai jamais pratiqué. Bon, je sais que tu cours vite, que tu sautes, que tu vas en longueur, que tu fais tout, tu lances le poids. Mais là, va falloir éviter les flèches parce que c'est moi qui vais tirer. Bah ce matin, tu m'as fait venir pour me lancer un défi, donc... Bah je sais. J'espère que t'es prêt. Et je vais te présenter un double champion du monde par équipe de tir à l'arc, Jean-Charles, notre coach d'aujourd'hui. Bonjour Jean-Charles. Salut. Ça va et toi? Oui, ça va bien. Alors Jean-Charles, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe du tir à l'arc? Parce que c'est pas juste tirer dans le jaune, je suppose. C'est pas juste tirer dans le jaune, c'est tirer sur une corde. D'accord. Et envoyer une flèche dans le jaune. Donc en fait, sur... C'est ça le principe. C'est simple, quoi. C'est, on tire, on vise et puis on lâche. Jean-Charles, échauffement? Échauffement. Allez, c'est parti. Quand on vise, ouais. Tu regardes de quel côté? Là ou là? C'est de ce côté qu'il faut regarder. Et avec l'œil droit ou l'œil gauche? Tu vois, j'avais raison. Hein? Et là, tu vises avec l'axe de la flèche, la pointe, oui. Et tu peux lâcher. Oh, trop fort! Bon, Vincent, regarde. Vas-y, je t'admire, nana. Ah, tu vises bien avec l'axe. En fait, comment tu positionnes? Comment tu sais que c'est ibalé? Oh! Bleu. Alors, voilà. Non, Vincent, toi? Ah! Non. Mais moi j'écoute. Tu peux t'appliquer. T'es passé j'écoute de 4 à 5. T'as augmenté d'un point. Tu vises avec ton oeil. C'est compliqué là. Bah ouais. Oh yeah baby. Non mais explique-moi comment tu fais pour que ça arrive au milieu. Excuse-moi. Mais Robin des Bois c'était un mec. Hein. C'est compliqué votre. Oh, pas mal. Non mais là, avancer m'a tué. Oh merci Seigneur. C'est la pointe. Oh non, Nana. Vincent, tu commences à craquer là, je crois. Ah, là. Oh, Nana, elle a piqué l'herbe. Tellement j'ai tiré fort. C'est du cinéma. Vas-y, c'est vas-y, tiens, je vais le tirer comme ça. Il a pas de force, Vincent. Oh, Seigneur. Mais il est parti où celui-là là? Il a peur que je le chie. Oh non. Comment je tremble. Oh, ça m'a giflé. Oh, c'est normal ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah je sais, le costume de Robin des Bois était pas dispo là. Qu'est-ce que j'avais? Ça va hein. Ça aura peut-être un avantage. Les duels, on est les deux sur la même cible, oui. Et on tire en même temps. Alors Nana, tu respectes bien ce que je te dis. Nana, t'as merdé. J'aime pas perdre. Alors, 4 à 8, il a 4 points d'avance. C'est pas normal, je te dis, il a pratiqué hier soir. Ça, bien en face de ton œil. Hop, et quand tu lâches, 30. Parfait, 9 points. 30 jours. Lui aussi, égalité. Tu dois bien souffler quand tu lâches. Oh, Nana, t'as merdé. Oh non, il m'énerve ce type. Tu crois que tu peux battre Donatello? Non, je crois pas. Donatello. Non, mais c'est quoi ça? Hey, t'aurais pu le mettre. Hein. Ok, génial, ça commence bien. Je vais la tirer. Noir. Ah, il avait blanc. Je tire les fesses, regarde. Vise un peu plus haut, parce que vu qu'il est plus loin. Fais genre tu vises. Et là, tu lâches. Je l'ai eu en plein cœur, le pauvre. Ah. Nana ah. Désolé, je rate jamais ma cible. Ça pique un peu quand même. Ah bon, c'est pas grave. Allez, mais Nana, c'est sûr. T'as assuré quand même. Bah oui, pas mal. Je t'ai battu au dernier coup. On continue tout de suite sur l'expresso avec Vanessa? Pas de problème. Allez, c'est parti, Vanessa.